Je suis Végéto SSJ Blue, mais un pouce blue. Yo les potes, la fin ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle et aujourd'hui, on va aller voir ensemble donc comment acheter ces DS moins chers. Alors, il n'y aura pas de truc miracle. Ça sera simplement en fait les promos qui sont les plus avantageuses au niveau des sous. Parce qu'il y a quand même pas mal de 40 en vrai. Hein. Le pack à 37 euros n'est pas le pack le plus rentable, bien sûr. On ira voir aussi, j'ai pris des screens des différents stores dans le monde où les DS sont moins chers dans le monde. Ça, c'est plus à titre informatif. Hein. C'est pas, on va pas aller au Paraguay pour acheter ces DS moins chers, mais c'est juste à titre informatif. Voilà. On a ramené El Famoso Calculette qui est juste en dessous de moi. Je vais vous montrer donc en live combien coûte chaque DS par pack. Mais avant ça, on va bien sûr comment économiser des DS. La technique pour avoir le SSR que tu veux, voilà. Là, je veux Goku SSJ4. Je vais dans le détecteur. Il y a le Goku SSJ4 là. On clique une fois sur le chip tech, une fois sur son nom. Hop, on referme. Et maintenant, on invoque. Vous allez voir. Technique 100% sûre. Je vais avoir le Goku SSJ4 tout de suite. Je suis dans la merde. Je viens d'user 5 DS pour faire le con. Donc, comme vous le voyez, Gohan qui LR garantit, hein, ainsi que Tenchen qui garantit 2 LR en une single. Et puis voilà, le Goku SSJ4 qui tombe. Voilà pour cette petite vidéo, ça fait plaisir. Comment avoir un LR en 5DS. Bien sûr, c'est un troll, on fait pas ça chez vous. Le con, je viens de perdre 5DS bêtement. Alors que je les économise depuis je sais pas combien de temps. Bref, alors on va commencer. Donc pour le premier pack, le A, on va être sur du 22 centimes donc par DS, ce qui est le pack le plus avantageux. Donc n'oubliez pas de bien vérifier hein, que le pack est en promo, il y a écrit 1 plus 4 dessus. On va pas y avoir écrit directement 5 DS. Et il y a la petite banderole sur le côté pour dire qu'il y a un super bonus. Voilà, parce que c'est le seul pack en fait qui est en solde où il n'y a pas le petit bouton rouge qui montre qu'il y a une solde. Donc on va être sur du 22 centimes de DS. Hop. Comme vous le voyez ici. On va être 22 centimes la DS. Pour le pack B qui va pas être rentable du tout, on va avoir du 2,29€ pour 6 DS. Et vous voyez là qu'on est à 38 centimes la DS. Donc 16 centimes de plus que sur l'autre pack. Alors vous allez me dire, c'est pas grand chose 16 centimes de plus. Multipliez ça par 100 DS à la fin, vous allez avoir plus de 10€ de... plus de 10€ d'écart. Au niveau du pack C, donc qui est très intéressant aussi, donc à 3,49 pour 12 DS, on va avoir chaque DS à 29 centimes, donc ce qui est pas mal du tout. Hein. Je rappelle, premier pack 22 centimes, donc celui-là c'est celui-là juste au-dessus en fait. Après, on a la promo du pack D, donc là il n'y a pas la promo parce que j'ai déjà pris en fait, c'est celle juste en dessous du premier pack. Donc elle a écrit 18,99€. En vrai, c'est quand c'est en promo, donc c'est 9€ pour 32 DS. Donc on va avoir 9 divisé par 32. Hop. Et on aura chaque DS donc à 28 centimes. Pour ce qui est du pack à 63, de toute façon, elle est jamais en solde. Donc on va éviter. Bon, on va quand même le faire pour le fun, vous allez voir. Donc on va avoir 35, on va dire 35, hein, parce que 34,99€ c'est 35 divisé par 63. Hop, voilà, 55 centimes la DS, la bonne carotte. Et donc le dernier pack, le F, qui est le pack le plus connu, hein, qui est bien de l'arnaque, parce que regardez, 37 divisé par 91, on va être à 40 centimes en promo. Donc, pour rappel, le premier pack il était à 22, le deuxième il était à 38 centimes par DS, le troisième était à 28 centimes. De même que le pack D. Et donc ce dernier pack est à 40 centimes. Donc si je devrais donner un classement, ça sera celui-là en premier, celui-là en deuxième, celui-là en troisième. On va avoir celui-là en quatrième et celui-là en cinquième. Donc je ne vous conseille pas de prendre les deux derniers packs que j'ai énoncés ici, parce qu'ils ne sont pas rentables tout simple. On va avoir aussi un super pack qui apparaît quelques fois. On va avoir aux alentours de 150 DS pour 55€ si je me souviens bien. Donc 55 divisé par 150. Ici on va être sur du 36 centimes. Je ne me souviens pas exactement du prix de ce pack là, mais c'est dans ces environs là. Donc on va avoir du 36 centimes, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant on va passer au prix des DS dans le monde entier. Tout simplement, voilà. Petit premier screen troll pour vous montrer.
Donc à ce niveau-là, on va être sur ici. C'est en Turquie. Donc c'est en Turquie qu'ils ont les DS les moins chers. Du coup, en Turquie, ils vont avoir un petit pack F à 17€, si je me souviens bien. Ça fait 17 ou 19€ dans ces alentours-là. Autant vous dire que les Turcs, vous vous mettez bien. Hein. 17€, les gars. On déménage tous en Turquie. On va acheter des packs là-bas. Donc ici, on a en Algérie. En Algérie, on va être sensiblement sur le même prix en vrai. Hein. Ça va être du 30€ à peu près. C'est vraiment énorme en vrai quand tu regardes. Hein. Donc ici, on va être en Allemagne. En Allemagne, c'est exactement les mêmes prix en fait. Pour l'Union Européenne, ça va être les mêmes prix. Sauf quelques exceptions que je vais vous montrer ici. Donc par exemple, ici, on va être en Angleterre. En Angleterre, on va être sur le même prix tout simplement. On va être à 32 livres, ce qui fait à peu près 36-37€. Pour ce qui est de la Belgique, RIP les Belges, j'avais pris ce screen à l'ancienne parce que ça fait un moment que j'avais dans l'idée de faire cette vidéo. De base, ils étaient au même prix que nous. Mais du coup, maintenant leur sort, on peut dire que c'est le moins cher du monde entier parce qu'il n'y a plus de DS dessus. Gros dédicace aux Belges, plein de bisous à vous. Force à vous les Belges. On va voir après le Canada, donc. C'est des dollars canadiens au niveau du Canada. Donc là, on va avoir 45 dollars canadiens. Donc 45 dollars canadiens, ça fait exactement 29,91€. Donc on va dire 30€, hein, voilà. Donc eux, ils les payent 7€ de moins cher que nous. On les paye quand même assez cher dans l'Union Européenne, je trouve. Hein. Alors ici, ça va être les États-Unis. Donc les États-Unis, ça va être du 33$. Donc là, on va être sur du 29€. À croire qu'on paie vraiment le plus cher. Bon, ici, c'est en France, hein, voilà. On sait tout ce qu'il a à 37€ le pack. C'est en Italie, donc c'est la même chose, comme je disais tout à l'heure, dans l'Union Européenne. C'est la même chose. Donc, pour les yens, pour le Japon, on va être à 3704 yens, ce qui fait 28,83€. Donc, 29€. Les Japonais paient moins cher aussi les DS. Pour ce qui est du Maroc, alors, on va payer 320 dirhams, ce qui fait 30€ à peu près, pareil. Encore une fois, on peut voir quand même que de par le monde, c'est à peu près à 30€ le prix du pack F en promo, faut pas oublier. Et que, en fait, c'est l'Union Européenne qui paye le plus cher. Donc là, El Famoso Philippines, donc le star philippin, où on va avoir du coup des pesos philippins, ou des pesos plutôt. On va être ici à 28€ le pack F. Donc... C'est pas 1€ le pack F aux Philippines, les gars. Hein. Portugal, on va être à 37€. Pareil, l'Union Européenne, on paye le plus cher. Au niveau de la Réunion, donc le screen est un peu trop gros, mais on peut voir, c'est 29,30€. Alors que la Réunion est française, du coup. Il paye moins cher. C'est assez bizarre, quand même. C'est assez chelou. Donc, il paye 30 balles aussi, leur pack F, voilà. Là, on va avoir donc le prix en Suisse, qui va être de 32 francs suisses. Ce qui fait à peu près 29€ aussi, pareil. Donc voilà pour cette petite vidéo informative, les frérots. J'espère que ça vous a plu. Hein. Comme vous le voyez, on a à peu près une moyenne de 30 balles dans le monde entier. Excepté en Turquie où ils sont à 18-19€. Ils se mettent bien les Turcs. Hein. Et l'Union Européenne, on est à 37. C'est nous qui payons plus cher. Hein, voilà. Comme j'ai dit, il n'y aura pas de recette miracle. Dans cette vidéo, mais comme vous avez pu le voir, c'est pas forcément les promos, il y a le plus de DS qui sont les plus avantageuses. Au contraire, d'ailleurs, c'est bizarre, mais ils nous incitent entre guillemets à payer moins de DS. Enfin, en même temps, on va pas pouvoir invoquer autant, mais je trouve quand même la méthode bizarre. Normalement, plus tu payes de DS d'un coup, plus tu payes quelque chose d'un coup, et plus tu auras de réduction. Là, c'est totalement le contraire. Donc voilà, les frères, j'espère que ça vous a aidé. Cette vidéo va s'adresser à tout le monde, mais surtout aux occasionnels cash players, donc les gens qui mettent de temps en temps pour les promos. Je vous conseille que quand il y a un portail en fait qui vous intéresse pas, donc de prendre les promos mais de les garder en fait pour la prochaine fois. Voilà, c'est tout bête, mais ça fonctionne plutôt bien. Vous les userez la prochaine fois, comme ça si vous n'avez pas le perso, vous pouvez reprendre les promos et ça évite de payer des packs très très chers. Donc j'espère qu'elle vous a informé cette vidéo. J'espère qu'elle a aussi j'espère qu'elle a aussi enlevé quelques mythes, hein, comme quoi aux Philippines, le pack F, les gîtes étaient pas chers, hein, voilà, ces gros mythos dans ce genre-là. Et puis, voilà pour cette petite vidéo, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, ça ferait grave plaisir, activer les notifications, et puis je vous dis à la prochaine pour une vidéo, bye bye, portez-vous bien, ciao!